les loulous. On est parti les loulous. Niveau 10, je commence un petit peu à m'amuser, ça va être cool. Ouais, non, mais bon. On va faire un petit coucou, un message d'accueil quand même, un minimum. The likelihood of catastrophic risk scenarios wasn't really considered when developers built a golf course in a flood zone. Voilà, je suis là. Je suis là avec mon niveau 10 de la bombe. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Ah oui, c'est vrai, c'était ma nouvelle zone. C'était ma nouvelle zone. 86, 90. What? Il y a une mission ici à faire. Non, mais ça, on va aller le faire direct, ça. Ouais, on va aller le faire. On va aller s'amuser un petit peu. Tuer 10 poissons au chat. Bon, sympa le steak, on continue. Allez, c'est parti. C'est où je sors? Où est-ce que je sors? Ah, je sors par là. Ah, c'est vrai qu'il faut que j'essaie de reprendre toujours un petit peu les commandes en main. Le live est online. Exactly. Alors, où dois-je aller? Je dois aller directement dans le coffre. Not really a gourmand. The bull shark is here just about anything. Identified by their conical snout and impressive shaped caudal fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petites missions, on va s'amuser. Mais si, petit macro. Petit macro, où es-tu? Le numéro. Ah tiens, le numéro. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici. Là j'ai loupé plein de trucs. Alors, what is this? On va aller voir un petit peu ce que c'est, ce bordel là. Faut que j'aille là-bas moi. Trop bien putain, en plus je peux. Bon, attends, ça va être pas mal ça. Faut-il encore que j'arrive à la choper? Ouais, tu vas pouvoir avancer toi. Voilà, Mino. Allez, sors de là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va aller faire tous les petits passés aux alentours. Viens ici, petit poisson chat. Je te mange, je suis pas très gentil comme garçon. Oh putain, ça y est. Le roquet n'est pas content. Oh putain de merde, je me souviens longtemps quoi.
bloc là, magnifique. On se régale. Faut que je fasse attention parce que je suis peut-être un petit peu trop confiant sur. Fou, lui. Donc, waouh, tu m'as gonflé. Oui, c'est bien. Allez. Ah. The most difficult hole on the roof, c'est au golf, ça. With his par 7 humdinger. Oh, mais là, dis-moi. Hop. Ah, c'est par là-bas qu'on va, ça. Voilà. On va chercher le petit coffre qui est là. Yes. Over the course of a bull shark's life, over the course, quite a broad assortment of flotsam and jetsam. Ensuite, ça c'est quoi ça? Si ce mako a les moyens de vivre à Rivage Doré, le revenu annuel de son foyer doit avoisiner les 250 000 $. On va pas se le tenter là de suite, non, quand même, faut pas abuser. Dévorer 10 humains. Oh, ça c'est déjà plus tentant, ça, pour moi. Alors. Allez. On va aller manger un peu de l'humain, on va aller voir un petit peu ce que qui se passe là-bas. Voilà, ça va leur faire drôle un petit peu là. Retourne à l'eau, voilà, c'est quelque chose de fait. Hop, il m'en vient. Oh. C'est ballot, hein. Viens ici. Oh, ils sont pas gentils avec moi. The shark is visibly struggling outside of her natural environment. Allez, tiens. Ça c'est fait. Ah, bah attends. Il y a des humains sous l'eau là. Non, ça c'est pas des humains. Seb, les humains sont là. Ensuite. Voilà. Ah non, ça y est, vous commencez à vous couper. Ça, c'est le pire truc qui me rend dans ce jeu là. Putain. T'inquiète pas que je vais m'occuper de toi. Oh putain. Ça, c'est le truc, mais horrible quoi, dans ce jeu. Fatigant.
vais prendre. L'index est en train de chauffer comme pas possible. Attends, je vais te manger, c'est toi que tu vas bouffer. Responsible for just 3% of hunter deaths. Drugs, alcohol, and poor firearm handling account for the rest. Et ouais. Il y a encore des putains de chasseurs de snipers. Ils sont 5000 et ils t'en cassent les couilles. Et ouais, ça amène forcément une baltringue. Thank you.
Un petit peu de temps. Donc, le truc, c'est ça. Horrible. Shark hunters stalk their prey, fully aware of the grisly horrors that await them upon a single misstep. Bounty for you, the Golden Shores area. Un petit moustique. Tu vois le petit moustique qui tourne autour de moi là? Oh mais gonflé, putain. C'est sûr que si tu veux te faire de l'XP, tu fais de l'XP là, mais bon là, ça sert à rien quoi. C'est strictement ridicule de faire ça. Niveau 3, je suis recherché de partout. Voilà, il y a un Mako. Je ne suis plus recherché, mais je suis un peu loin de mon objectif. Voilà, lâchez-moi. Lâchez-moi la grappe. Sérieux quoi. That about wraps it up. It's another unsuccessful shark hunt for the people of Port Clovis. C'est, je peux rechercher. Je vais pouvoir aller manger mes humains tranquilles. Incroyable. En 2-2, je me suis attaqué par 30 mecs. Une catastrophe quoi. Mais c'est pas grave. Petit Makoro roi, hop. Ouh, il y a un barracuda, on va se le faire le petit barracuda, regarde. Tiens. Tiens le petit barracuda. Alors mes humains ils sont là. Ils m'attendent, ils sont prêts à être dévorés. Je vais revenir à mes copains. Voilà, il y en a là qui m'attendent là. C'est parfait ça.
ça, ça me plaît ça quand ça fait ça. Hop, on va replonger pour les deux derniers, histoire de se mettre. Intensive shark hunt is now underway. Shark fin traders come every year batting toward you. Because what other ways to celebrate killing beautiful animals and tasting fishless body parts than a $450 round of golf? Alors, dans le roof, qu'est-ce qu'ils disent? Dévorer 8 humains. Non, nous, on va aller voir ça, nous. C'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Alors, faut pas qu'il vienne maintenant me faire chier entre guillemets là. Ouais, ça serait bien que vous me lâchiez un peu la grappe. Ça m'arrangerait. The powers of society have retaliated with deterrent action. But mankind is ultimately impotent to stop Mother Nature's vengeance. Voilà, doucement mais sûrement on y arrive. Alors, où est-il? Ça aussi c'est un chien. Il faut être bien en face pour pouvoir sauter bien devant. Alors. Hop. Voilà. Parfait. Ensuite, continuons. Ça c'est quoi ça? Dévorer 8 humains. Non. D'abord on a... un petit coffre derrière nous là. Voilà. Ah, c'est fatigant ça quand ça fait ça. Yes. Random mutations aren't random. They require large amounts of mutagens as a catalyst. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ça, on voit ce que c'est. Ça c'est dans notre dos. Suis-je fou? Voilà, c'est bien ce que je me disais, c'était par là. Alors. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe alors par là en fait? Donc c'est ici le Bronx. Bizarre, il se passe pas grand chose. Alors, est-ce que ça soit dessous? Petit coffre. Yes. This shark is a sort of super scat. This shark is completely lacking in what may be called dietary discrimination. Allez, c'est parti. Je vais aller dans l'eau, tu vois. Là, par là. Voilà. Yes. Ah, la grille, elle est là. La grille, elle est par là. C'est quoi, c'est une cave? Est-ce que c'est une grotte? Ça a l'air d'être une grotte, hein. Oula. Je sais pas où je m'aventure, mais j'y vais. Tintin.
Où vais-je? Où vais-je? Où vais-je? Ah, mais il y a un coffre par là. Eh oui. In the kill or be killed world of the sea, in the cave, performance enhancing mutagens provide benefits that okay, could mean the difference between life and death. Donc à mon avis, si je continue par là, est-ce que si je continue par là, je peux accéder à ce coffre? On dirait. Défoncer. Voilà, ça c'est fait. Ah, il est là-bas le coffre. Instantized protein makes a great between meal supplement, giving the shark the energy she needs to put on serious mass. Alors, une grille, eh oui, une grille. Yes. Là logiquement je retourne, ouais, là où j'étais c'est parfait, et là dans mon dos est-ce que je peux y aller? Ça sent bon ça. Yes, 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 yes. Ça progresse pas mal là. Ça progresse pas mal. De ce côté, et cette fois-ci il faut aller où? Il faut tout traverser pour aller là. C'est parti. Allez. Of Baton Tordu, who commissioned this piece, apparently found it whimsical. Whereas, if you ask me, it's a little trite and unimaginative. Yes. Yes, it is. Alors, ok, donc ça on a vu. Ça c'est un. Ça c'est un. Bon, là, on va faire une petite mission. Tiens. On va faire une petite mission. Tranquillou. Dimakoro, ça devrait aller. Dimakoro. Ouais, y a que ça, regarde. The monster approaches, ready to attack without hesitation.
par hasard, c'est... tranquille. Ouais, donc c'est vraiment Evo sur NES quoi. Voilà, ici d'avoir encore une petite évolution là de mon poisson parce que là... Nothing gets a kingfish in the mood quite like watching a 73-year-old hit a double boat. Bon. The fact that they've turned the waters off Baton Tordu into a spawning ground. Je suis passé niveau 14, ça c'est top. Ça fait que je vais pouvoir aller dans ma grotte. Puis je vais pouvoir tranquillement. Attends, on va pas se faire prier parce que là. C'est vraiment pas très loin. Et puis on ira dans la grotte après. Une fois que j'aurai défoncé ces maquereaux là encore là. Toujours une sorte de maquereaux. Bien sûr, il va y avoir. Eh ouais. Voilà. Pas me gonfler. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Bon, là, il se passe rien. On est d'accord. Bon, écoute. Ah non, mais c'est pas là. Putain. Ça me gonfle. C'était pas là. C'était de l'autre côté. Allez, vas-y, Mino. Eh ouais, d'un coup, il y a un peu plus de monde là. Le truc, c'est qu'il va falloir que je plonge quelque part.
C'est-à-dire que... Est-ce que d'ici, je peux y accéder? Non. Donc faut que je passe dessous. Pour passer dessous, c'est la grille. Cette grille. Les macro-rois se sont regroupés dans une caverne. Ben voilà, ils sont dans une caverne, ces salopards. Donc il faut simplement que j'arrive à les pécho. Il faut que je passe par là. Seb, tu le fais exprès? Je pense que je le fais exprès. Ah ça y est, il m'a repéré l'autre. Bon, où est cette bordel de grille là? C'est là, non, c'est pas là. Ben, suis-je bête? C'est laborieux quand même. C'est laborieux. Attends, elle est dans mon dos. Dans mon dos. Ah, mais dis pas que c'est là. Mais fallait le... on est d'accord, hein? Il fallait le repérer le bordel. Bon maintenant on va pouvoir se faire un petit festin. D'ici, j'ai plus rien à faire ici, moi. Dès que je trouve une sortie, je file à la grotte. Ça doit être une sortie, ça. Voilà.
Bon, maintenant que je suis au niveau 14, est-ce que je peux rentrer chez moi à ma grotte? Il va me dire que je suis en... Eh bien sûr, est-ce que je suis... Eh oui, je suis en combat, mais bien sûr, tout à fait. Ça m'a gonflé. Bon, je peux toujours pas y aller. On va dire que je suis en... Bon, c'est fatigant. Bon, maintenant dis-moi que je peux y aller. Parce que je suis plus en combat. Voilà. Tu vois quand tu veux. C'est fatigant, le gars. It's here in the grotto that the shark can discover the absolute serenity deep within her soul. Donc, je peux faire. Bon, toujours pas la tête ni les nageoires, etc., etc. Est-ce que je peux améliorer? Bon, et bien apparemment, je suis à fond. Parce que si ça je l'améliore, ça fait quoi? Dent osseuse. Dent de l'ombre. Ça je peux l'augmenter, ça met sur où? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, wow, on s'en bat le steak. 10 000 bleus, ça c'est bon, j'en ai. 175, c'est bon, j'en ai 52 millions. Voilà. Et ça je peux augmenter quoi? 6 000. J'augmente, moi. Le sonar. Ça, je peux plus. Ça, je peux plus. On va augmenter le sonar. Il va être content. Il va être content, le monsieur. Palier 4, palier 2 et palier 5, ok. Alors bon, qu'est-ce qui se passe là? Je t'en ai éliminé combien là? Ah, c'est pas mal ça. Je vais vers ma quatrième victime, l'homme au bonbon Curtis. Ah, tu vas mourir mec. Alors, qu'est-ce que... J'ai pas mal défoncé un peu la partie du haut. Et ça c'est quoi? Dévorer 8 humains. Ouais, ça peut être pas mal ça. Mais d'abord on va aller chercher ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est un petit peu mieux ça. Alors attention. Où est-ce que c'est? C'est là. C'est parti. Est-ce que c'est dessous ou pas? Ça telle la question maintenant, savoir si c'est dessous. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait ça, Minon. Ensuite, ça c'est encore bouffer des humains. Ça m'intéresse moyen pour le moment. Allez, on va là chercher le petit coffre qui doit être dedans. Yes, c'est parfait ça. The appetite of this shark is un petit poisson chat sur la route. The hungry predator finds the catfish crisp. Mais oui, ça va, ne t'inquiète pas. Allez. Allez, les humains sont là. D'accord. Et là, il y a une piscine à l'intérieur, donc on va pouvoir. A shark is relentless in its pursuit of their quarry. On peut recharger. On peut recharger, ça c'est parfait. Alors, combien y a-t-il d'humains? Il y en a pas mal là. Les coquins. Oh,
se faire plaisir. Ah ouais, il y en a plein là, regarde. Il y en a un qui m'attend là. C'est très très bon ça. Ok, alors on va essayer de faire ça bien, tu vois. Ça fait 6. Humain. Voilà, ouais, toi tu m'attendais toi. Oh t'as eu chaud. T'inquiète. J'arrive de dos. Oh putain, t'as chaud. Par contre, là, il va falloir arrêter là. Tiens. The shark hunter is the only thing keeping tourists from a nasty, horrible death. Outside of just avoiding the beach for a few hours. Ah, ça y est, putain, ça commence, la connerie là. Ça m'avait pas manqué ça. Voilà, super, ça m'avait pas manqué. Quelques gens tranquilles là. Voilà, nickel, on va se cacher ici. Port Clovis has grown bored of the hunt, leaving our shark to fight another day. Si j'en mange 3 là, c'est parfait, non? Ah non, faut vraiment que je mange cela, quoi. Donc faut vraiment que je mange cela quoi. C'est parfait, il y a une petite petite. Regarde.
infernal. Ce jeu est magnifique. Toi, tu comptes m'échapper ou comment ça se passe? Ah, c'est 12 en plus. Voilà, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hunters are on the water, bringing their explosives and poor impulse control with them. Bon, on va attendre que la menace passe. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais c'est assez redondant quand même, donc c'est bien dommage. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ça c'est super chiant quoi, les chasseurs qui te traquent. J'espère que niveau 15 ou 20 je vais pouvoir les défoncer en deux coups parce que c'est une belle merde ça. Allez, juste dégagez, arrêtez de me chercher, ça sert à rien. Attention, voilà. With little fanfare, another bounty hunt comes to a close. Le problème, c'est que si je sors là, je vais me faire défoncer. Ça va être le gros problème. En plus, ils sont vraiment pas loin, quoi. Donc, où sont mes deux pèlerins là? Putain, l'un qui est là quoi. Oh, c'est une blague. Tu l'as en face. It's always best for sharks to stay wet and oxygenated. T'inquiète pas, on va récupérer l'oxygène, ça y a aucun problème. Il faut juste que je trouve mon dernier zigoto à manger. Parce que là j'en suis. Hop là. Dis-moi qu'il est en bordure. Il faut aller le chercher un peu, putain le mec. Voilà. Je te jure, tu vas tellement gonfler. As you can see, the Gulf Coast has stopped growing. Tu as fatigué. Started growing luxury vacation. Un petit peu chiant ces missions à bouffer des humains là, au final. Parce que là, si je fais ça. Il faudrait que j'ai assez de puissance pour monter. Yes! C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller voir si on peut pécho celui-là cette fois-ci. Ah, c'est ici, c'est un coffre. On avance plutôt pas mal dans cette map là. Traveling around, we are constantly reminded of how man's intrusion has disrupted the fragile equilibrium of the marine world. Donc on a vu un coffre.
Oh, ce que c'est ça? Donc, qu'est-ce que je disais? C'est là-bas, ok. Je t'ai répondu, moi. Je t'ai strictement rien demandé à part. Ça. Wow, ça, c'est tout ce que je t'ai demandé. New USGA rule 4.182 might have saved these damaged clubs from abandon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, elle est dans mon dos, celui que je cherche. Ah, c'est ça là-bas. Il est là, celui que je cherche. On en est à 13. Quite a strange conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. Faut que j'aille faire tout le monde. Alors attends, c'est où qu'il faut que j'aille? Si je fais ça, il doit être par là. Ah, c'est lui. Encore un ou deux pour arriver à une petite heure de jeu et puis après on est bon. Alors te caches-tu? Ouais, t'inquiète pas, y'a aucun problème. Regarde, tu te caches là. Shark's propensity to clear the ocean of its assorted detritus is one of their most valuable functions. Bon, eh ben on a pas mal défoncé de trucs là. Je suis pas loin du niveau 15 là, putain, je crois que je vais pousser. Je vais pousser au niveau 15. Et après, dodo time, il est 1h10. Passé. Qu'est-ce que je peux aller faire? Le petit coffre qui est là? Allez, le petit coffre qui est là. Let's go. Les petits poissons chats et les mérous maintenant, hein, niveau 14, ils font plus pli. Hein. Ils font plus pli. Fada. Supercharged with gene altering mutagens. Ah, je vais bientôt passer au niveau 15. Ça, c'est tout parfait. Edge on the competition. On va aller là. C'est peut-être un coffre ou un panneau. Un lieu. Ah bah c'est un coffre. Qui est dessous. Et là je vais passer au niveau 15. Ah, cette blague. Est-ce qu'avec les grilles ça me rapporte de l'XP ou pas? Ça me rapporte que dalle. Mais par contre, je peux revenir sur mes pas et aller chercher peut-être un lieu dit ou un coffre. Ah mais non, c'est une pancarte qui va me rapporter de l'XP. Yes, niveau 15. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe.
niveau 15 s'il y a une évolution, peut-être, qui sait. Ça serait bien. Attention. Once more, the shark turns back. Eh ben non, niveau 15, il se passe strictement rien. Et puis en plus, j'ai pas de quoi. Alors, on a combien de pourcentage sur cette map? Alors, on est pas mal. 90, 86, 64. Voilà, on est plutôt pas mal. Bon allez, je vais m'arrêter là parce qu'il est 1h20, je suis un petit peu fatigué, j'ai une grosse journée. Donc merci à ceux qui sont passés, faire un petit coucou, c'était fort agréable. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, pour un petit Man-Eater, peut-être niveau 20, qui sait. Voilà, en attendant, on va se laisser notre beau bestiau niveau 15. Donc voilà, donc j'ai fait deux petits niveaux, j'ai amélioré le sonar, j'ai amélioré, qu'est-ce que j'ai amélioré? Capacité, la santé. Et ma mâchoire est à fond, donc j'espère gagner bientôt une nouvelle mâchoire, ça serait cool. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je remercie ceux et celles qui sont passés me faire un petit coucou, même si c'était en mode espion, c'est pas très grave. Et puis on se donne bientôt rendez-vous, j'espère, fin de semaine. Ou peut-être demain, qui sait, on verra bien. C'est au feeling, toujours sur ma chaîne Twitch, Ma Vie de Geek. Allez, je vous laisse avec le bestiau. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt, salut.